Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto beauté. Aujourd'hui on va voir comment se maquiller pour un concours. Alors première étape, c'est évident, la crème hydratante, hein, toujours. Par contre je tenais à vous avertir, ce tuto c'est pas pour les débutants. N'essayez pas de le refaire si vous n'avez pas un excellent niveau, sinon il y a des risques pour votre santé et votre sécurité. Voilà. Bien sûr on n'oublie pas d'hydrater les lèvres. Ensuite on passe au petit mascara. Alors c'est toute une technique de se maquiller dans le retour de son téléphone. C'est vraiment, il faut maîtriser. Et ensuite on serait tenté de mettre ce joli rouge à lèvres prune, mais il est midi, on va manger. Donc non non non, pas de rouge à lèvres foncé, sinon ça va faire une tache. Et voilà, c'est tout. Regardez-moi cette magnificence. Oui, c'est lui, c'est le pantalon PNA. Aujourd'hui on inaugure. Qui va me porter chance, est-ce qu'il va me donner un centième de son talent? Jamais. Et bienvenue dans ce petit tuto cuisine version oups, j'ai pas le temps mais je vais manger n'importe quoi donc ça va. On commence par faire un petit peu de semoule. On rajoute deux tomates mal coupées, c'est important. Ensuite, une bonne poignée de salade, quelques petites graines de chia et de sésame. Oups, merde. Beaucoup de graines de sésame du coup et un reste de cheddar râpé parce que pourquoi pas. Tadam! Votre repas à 30 secondes est prêt. Coucou. Ça y est, bouge plus. Ah, maintenant j'ai les doigts dégueux. Je fais un balayage en folie là. Un truc qui est mort dessus ou je sais pas. Je suis ravie. Cool. On est sur les détails finaux. Ouais. Margot qui est venue nous voir pour le concours et regardez, elle a fait des petits pions à doudou. Elle est trop beau. Le tapis, les guêtres. Oh bébé. Là. Oh c'est encore plus beau avec le filet. Oh mamma mia. Qu'est-ce qu'il est beau ce cheval. Il est magnifique. Et on se retrouve comme d'habitude en voix off pour commenter le tour. Donc on part sur le 1 et là Vlan se décale à gauche, je mets ma jambe gauche mais il se décale quand même. Je tire un peu pour le redécaler, enfin j'ai fait de la merde. Lui il était chelou sur le 1, je sais pas pourquoi il a bugué comme ça à détente, il était très bien. Donc bref, je réagis mal et refus sur le 1. Donc c'est génial quand t'es en prépa et que tu fais déjà refus sur le 1, tu te dis bon c'est déjà fini. Non en vrai du coup j'en ai profité pour essayer de faire un tour de travail. Dès qu'il y avait une option difficile, enfin... Quand j'avais un choix, je prenais pas le choix pour gagner, je prenais le choix pour travailler. Donc là sur le 2, vous voyez que j'étais crispée, du coup pas très très bien le 2. Le 3 pareil, enfin là, vous voyez que je suis
quand même vachement crispée dans mes bras et tout. J'ai du mal à me redétendre après ce genre de faute et tout. Donc là, le 4, voilà, pas trop de problème. On arrive en ligne sur le 5. Et là, en fait, j'arrive très près et il me sauve. Regardez-moi, c'est postérieur, boum. On est très proche, donc il aurait largement pu toucher postérieur et il m'a sauvé de ouf. Le 6, un peu de biais, aucun souci. On arrive sur le 7 qui était en descente, donc je le freine bien. Et je fais attention à poser ma main et à ne pas tirer dessus sur le 7. Et victoire, un double à deux foulées sans problème. Alors là, ça fait du bien. Ensuite, on arrive sur une ligne. Mon coach m'avait dit qu'il y avait 6 foulées. Et là, au milieu de la ligne, je me dis... par contre, là, ça passe en 5. Et j'ai forcé à 6. Et du coup, j'ai mis 20 à la faute. Parce que, voilà, je sentais qu'il pouvait faire 5 plus longue. J'ai forcé à faire 6 pour le travail, justement. Parce que de toute façon, on avait déjà fait 4 points. Et j'ai bien vu que ça passait pas. Soit j'aurais dû reprendre beaucoup plus tôt. Soit j'aurais dû le laisser partir en 5. Enfin, clairement, si on n'avait pas déjà fait une faute, je l'aurais laissé partir en 5 plus longue. Mais bon, voilà. Du coup, ça nous fait un parcours à 8 points. Sale gosse. Bon bah on était beau mais pas brillant. Hein? Beau mais pas brillant. La petite douche. Détente au paddock. Et puis après il aura ses carottes. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Promis, j'essaie de vous faire des vidéos plus souvent parce que là, j'ai freiné le rythme et franchement, ça ne me convient pas, donc j'essaie de trouver du temps. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !